tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, alors dans cette vidéo, on va vous emmener vers le parc national de Jasper. On va continuer notre route vers le nord et on va passer par une route qui devrait être assez incroyable, qui est la Icefield Parkway, la promenade des glaciers. Donc voilà, on vous emmène avec nous pour cette aventure. Et avant ça, on est toujours à Banff et là on part pour faire la visite au lac Moraine. Et en gros, pour aller jusque là, on doit prendre un bus parce que les véhicules privés ne sont plus autorisés. Donc je vais me renseigner pour voir où est le départ du bus. On l'a déjà réservé, c'était 22$ pour nous 5. Et voilà, le bus est à 16h. La feuille. On commence. Pierre, papier, ciseaux. 1, 2, 3. Ciseaux, c'est la même chose. Non, c'est ciseaux. 1, pierre, papier, ciseaux. 1, 2, 3. Je casse les ciseaux avec le caillou. Et nous voilà au lac Moraine. Il y a pas mal de vent. Juste un petit conseil, si je peux me permettre. En fait, quand vous prévoyez de visiter lac Moraine ou lac Louise, en tout cas si vous prévoyez de visiter le lac Moraine, vous allez devoir prendre un shuttle. Et pour nous 5, le shuttle coûtait 22$. Et il nous emmenait donc du lodge, un parking qui était gratuit un peu à l'extérieur de lake Louise. Et on pouvait se rendre à lake Louise et ensuite avoir une liaison vers lake Moraine et revenir au lodge. Donc si vous souhaitez faire ça, franchement, je vous le conseille parce que ça vous permet de visiter lake Louise et lake Moraine pour 22$. Si maintenant vous voulez visiter que lake Louise, vous allez directement au parking de lake Louise. À savoir que le parking de lake Louise il coûte 21$ à la journée. Et même si vous y restez 2 heures, ce sera 21$. Donc voilà pourquoi je vous disais que le shuttle était vraiment une bonne option. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ça si vous le pouvez. Et pour la réservation, tout se fait sur le site de parc.canada.ca. Ça va, Chache, en dessous de ton ours? Ça va? Fais coucou à l'ours. Nous voilà revenus au bercail. Donc ça, ce sera notre place pour la nuit. On est à 5 km de lake Louise, donc toujours dans le parc national. Pour cette place ici, c'est juste un parking, mais on paye 11,50$, mais on peut dormir dans le parc. Donc c'est pas si mal que ça. Et demain on prend la route pour la promenade des glaciers. Donc vous voyez le temps aussi s'est dégagé un petit peu derrière moi. Donc on espère avoir une bonne météo. Normalement la météo change un petit peu pour cette fin de semaine et la semaine prochaine. Donc on croise les doigts. On devrait avoir du soleil prochainement et ça va être cool quoi. Je pense que les images vont être sympas. Hello tout le monde, voilà je vous reprends ce matin. Donc la nuit a été plutôt bonne sur le parking. On a relativement bien dormi, c'était calme et la nuit a été fraîche. Et ce matin, on se réveille avec un beau ciel partiellement nuageux. Mais voilà, c'est assez léger, mais plutôt bleu avec un joli soleil. Donc c'est cool. Ici, on s'apprête à... Voilà, les filles jouent un petit peu à l'extérieur. Et donc nous, on s'apprête à prendre la route, la promenade des glaciers. Avec cette météo, je pense que ça va être vraiment superbe. Et là, juste avant, on fait les 2-3 petites choses qu'on doit faire dans le camping-car. Donc les choses habituelles. Vider le réservoir d'urine et bien rincer. Donc ça, à 5, nous, c'est quelque chose qu'on fait voilà, tous les 2, voire 3 jours. Vider le réservoir d'urine. Et ensuite, sur la route, il y a un dump et on pourra recharger de l'eau. Donc voilà, mais on n'a pas utilisé grand chose. Donc ce sera vraiment juste un appoint pour l'eau de manie et puis vider ce qu'il y a dans le réservoir d'eau grise. Ça devrait aller assez vite.
Donc voilà. Et sinon, pour le reste, là, d'ici 15-20 minutes, on est parti. Et on va découvrir cette route des glaciers. Et je me réjouis déjà. C'est parti! Premier arrêt de la journée. Oui, on a laissé les filles dans le camping-car parce que Charlie fait dodo. Oui, et là on va aller voir Petolec. Il paraît que c'est très joli, on a un peu plus de 600 mètres à faire. Ouais, depuis le parking ça va assez vite, ouais. Mais il y a du monde. Oui. T'es parti. Donc, quelques petites informations sur la promenade des glaciers. Elle fait 230 km et elle s'étend donc de Lake Louise à Jasper. Et là, on est à une altitude donc, de 2069 mètres au niveau du lac Peto. Bon, petite pause de midi et on s'est arrêté sur le parking du glacier Athabasca et on va aller voir tout ça. Je vous montre, bon là il fait un peu plus froid, il y a du vent, mais ça a l'air vraiment d'être assez sympa et on est à 1900 mètres d'altitude, donc ça va encore. Allez, c'est parti. C'était plutôt sympa cette petite escapade sur le glacier. Et maintenant, on va manger. Alors, c'est des parties avec les filles voir le glacier. Et moi, pendant ce temps-là, je cuisine. Donc, au menu, pommes de terre au four et saucisses que je vais faire cuire tout de suite. Et puis avec ça, je vais faire une petite salade. C'est parti. C'est quand même vraiment cool d'avoir un four. Même s'il est petit, franchement, il fait le job. Et ça, c'est cool. Bon repas. Merci maman. De rien. Saucisses, pommes de terre, salade. Si jamais vous voulez visiter le glacier, il y a plusieurs solutions. Donc soit on fait la petite rando comme nous on a fait depuis le parking et on va au pied du glacier. Après il y a deux autres solutions. Soit vous pouvez partir avec un guide et monter carrément sur le glacier. Donc là, je voyais des équipes de personnes, enfin des groupes de personnes avec des crampons. Et donc là, ils vont marcher directement sur le glacier. Et dernière solution, si vous n'êtes pas un adepte de la randonnée ou de la marche, il y a des bus organisés. Et c'est des véhicules assez spéciaux qui vont en fait directement sur le glacier et qui vous déposent dessus. Donc par contre, j'ai pas le prix de ces excursions là, je sais pas combien de temps ça prend, mais voilà, c'est une possibilité. Et voilà, nous venons d'arriver à Jasper et comme d'habitude, direction le Visitor Center pour se renseigner sur tout ce qui est trail, camping et autres. C'est parti. Dans les visitor center, généralement, on achète des autocollants comme celui-là. Ça. Celui-là. Voilà. Ça, c'est notre petit rituel Jasper. Ouais. Et ça, je pense que c'est gratuit, non?
Je sais pas ce que c'est. C'est un marque-page, mon avis, ça doit être gratuit de monde. Mais mon chat, elle s'arrête toutes les deux minutes dès qu'elle voit quelque chose. Allez, viens, Charlie, on y va. Cherche. Alors, Jen est partie chercher une enveloppe. Non. J'ai eu super peur quand la petite est passée avec sa trotte. C'est bon, on a une enveloppe. Ouais. Voilà, on est arrivé au camping à Jasper. Donc, c'est bien ce qui me semblait, mais vraiment autour de ou dans Jasper. Il n'y a pas autour de la ville de Jasper, il y a peu de parking, de camping pardon, self registration, et ils étaient tous pour la plupart pleins. Ils ont aussi ici un overflow camping qui est un camping donc de désengorgement où les places sont quand même vachement plus serrées et il y a moins de commodité quoi. Donc je vous montre un tout petit peu. Nous on a trouvé une place ici, il y en a plein donc c'est pas un problème et c'est $16.75 pour la nuit. Charlie, qu'est-ce qu'on a fait nous tous les deux dans le camping-car? On a fait Ouais. Et des feuilles. Donc en fait ce matin on a fait la vaisselle dans le camping-car. Bon alors on a fait tous les jours, mais la vaisselle du petit déjeuner. Et c'est Charlie qui a essuyé toute la vaisselle. Bon là il en reste encore un peu, mais c'est bien, il va au fur et à mesure. Papa lave et Charlie essuie. Très bien. Alors, petit programme pour la journée. Donc, nous trouvons ici, juste un petit peu au-dessus de Jasper. Et l'idée, c'est d'aller vers Medicine Lake. Tadam. Et d'aller également voir le Malin Canyon. Donc, on va rouler. On a donc 27 km pour aller jusque Medicine Lake. Donc, voilà, ça nous fait une petite balade ce matin. C'est parti. Prends ce matin. Hola. Coucou. Donc voilà, comme prévu, on s'est dirigé vers le lac Malin. Oui. Enfin, d'abord le Medicine Lake et ensuite le lac Malin. Mais on est allé tout au bout. Donc, il est à une cinquantaine de kilomètres de Jasper. Sur le lac Malin, on peut louer des bateaux. Mais on va aller voir, parce qu'en termes de prix, c'est quand même assez cher. Donc, on va aller se renseigner. Mais voilà, donc l'idée c'est de rester un petit peu ici autour du lac Malin et puis après de repasser par Medicine Lake et finir par Malin Canyon. Et là, on a décidé de se faire un petit resto. Ouais, parce qu'on n'a pas pu. Parce que clairement, le bateau, c'était trop cher. Je disais, le prix du bateau, c'était clairement trop cher pour nous, dans le sens où nous, bah, là, on n'est pas en vacances, en fait. On est là en voyage au long cours, donc on ne peut pas tout faire. C'est sûr que quand on est en vacances, on se fait davantage plaisir dans les lieux qu'on visite. Mais là, on doit faire des choix. Et ça revenait, c'est à presque $400, hein, c'est ça? Ouais, on était à $340. $340, c'est ça, hors taxe, puisque en fait c'est $93 pour les adultes, mais on est adulte à partir de 15 ans. C'est ça, et Violette payait $60. Ouais, à partir de 6 ans, donc il n'y avait que Charlie qui ne payait pas. Donc clairement, ça a l'air vraiment beau, hein, cette balade en bateau sur le lac, ça a l'air vraiment super joli. On va voir une petite île qui apparemment est l'île la plus photographiée au monde. Voilà, oui, ça va arriver, ma chérie. Et donc c'est pour ça que, du coup, pour compenser, on a décidé de se faire plaisir et de se faire un petit resto. Miam miam, donc on a plein de bonnes choses. C'est bon, Chache? Bon, ben voilà, on a super bien mangé. Ouais, c'était chouette de manger des petites choses
un peu différente de ce qu'on trouve généralement ici. Charlie, elle a toujours une carotte. Et ouais, en plus, on était en terrasse, il y avait du soleil, donc c'était cool. Et là, pour la petite histoire, 20$, mon verre de vin. Ça, ce qui est cool, c'est que quand on est ici sur le continent américain, on picole pas. Ça, c'est sûr, parce que ça coûte trop cher. 20$ hors taxe pour le verre de vin, c'est quand même un petit peu cher. Ouais, c'est 20$. J'ai bu un verre et je l'ai savouré. 20$ canadiens, ça fait 12-13€. Hors taxe. Ouais. Ouais, c'est assez cher. Pour monter, pour venir jusqu'au lac ici, on a vu un joli wapiti. Donc je vous montre les images tout de suite. Voilà, on est posé au camping. C'est donc la fin de la vidéo. Oui, on va clôturer. J'ai un peu bloui. Ouais, c'est pour ça que les lunettes de soleil, ça fait du bien. Exactement. Ah là, on est content, le soleil est revenu. Ouais, il fait le 24, soleil. 24 degrés. Donc, ça fait trop du bien. C'est cool. Et demain, il va faire encore plus chaud, donc ça, c'est cool. Ouais. Et on donc. Oui. Pardon. Vas-y. On va essayer d'emmagasiner la chaleur avant de partir en Alaska, parce que là-bas, ça ne va pas être la même chose. Ouais, c'est clair. Mais donc voilà, on espère que en tout cas les images de la route, enfin de la promenade des glaciers vous auront plu. Nous, on s'est régalé. Ouais, nous on a vraiment trouvé ça splendide. Mm. Bon, ça fait partie des 10 plus belles routes du monde. Mm. Et honnêtement, ça les vaut parce que c'était vraiment très 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 sympa. Et donc voilà, on va clôturer ça et puis nous on poursuit après notre route vers le nord de toute façon. Oui. Et on vous emmène bien sûr avec nous. À très vite. Ciao ciao. I see a sky with a reindeer car, but I'm not running. I see a train.